Sympa ta nouvelle coiffure, très originale. Éviter le risque électrique, c'est possible. Mais le risque électrique, qu'est-ce que c'est ? On fait référence à tout ce qui a trait aux appareils électriques, mais aussi à l'installation électrique qui existe dans votre logement. Une notion importante, surtout lorsqu'on sait qu'une installation vétuste ou mal adaptée peut provoquer des incendies. Un risque qui ne relève pas de l'exception. C'est la quatrième cause d'accident au niveau de ce qu'on appelle les accidents de la vie courante. Un incendie sur quatre est dû à une installation électrique défectueuse. Pourtant, on peut l'éviter, à condition de respecter certaines règles comme... Faire vérifier toutes vos installations électriques par un professionnel, donc un électricien ou un bureau de vérification, parce que très souvent les logements aujourd'hui ne sont plus aux normes. Ne pas faire non plus des réparations soi-même ou avec le voisin ou le fils du copain, parce que rien ne vaut un électricien confirmé qui pourra vous garantir l'installation. Donc pas question de s'improviser électricien d'un jour, pas question non plus de faire durer ses appareils électroménagers plus que de raison, sinon... Ça devient très dangereux parce qu'un appareil électrique qui est laissé sans surveillance alors même qu'il est défectueux provoque des incendies. Pas la peine non plus de surcharger vos multiprises. Sachant qu'une multiprise, c'est déjà par nature un courant électrique qui est dévié sur plusieurs prises. Ça ne sert à rien et puis vous n'aurez jamais de toute façon une aussi bonne qualité que si vous êtes branché en direct. Élémentaire, mon cher Watson, mais ce n'est pas tout. Systématiquement, lorsque vous devez intervenir sur une installation électrique, ne pas oublier de couper le compteur général, même pour changer une ampoule. Pour éviter les risques électriques, n'intervenez jamais sur une installation sans avoir coupé le courant. Et ne vous improvisez pas électricien. Évitez les prises multiples et surveillez vos vieux appareils électriques. Regarde mes cheveux, c'est une catastrophe, ils veulent pas retomber.